toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Shambhala et pour un nouveau goûter des fées. Voilà, donc un nouveau dimanche en votre compagnie. Merci beaucoup d'être là, merci aux personnes qui se sont abonnées récemment. Merci pour les gentils messages. Et un merci spécialement aussi j'espère qu'elle ne m'en voudra pas, je vais la nommer, à Léa, qui par deux fois m'a envoyé un commentaire très, très élogieux et surtout très, très gentil et rempli de bienveillance et d'amour. Et vraiment, quand je les ai reçus, eh bien, ça m'a fait extrêmement plaisir. Réellement, c'est même plus que plaisir. J'ai ressenti vraiment de la bienveillance et de l'amour. Alors du coup, eh bien, merci à elle. Voilà. Alors, ceci étant dit, les petites fées aujourd'hui, eh bien, elles sont venues en nombre. Elles sont au nombre de 4. Alors, je vais interpréter chaque carte en message individuel et ensuite un message groupé. C'est-à-dire parce que moi, comme souvent, voire quasi toujours, peut-être l'ai-je déjà dit dans une autre vidéo, j'ai une continuité en fait dans les messages. J'ai des messages qui sont individuels carte par carte, où des fois les cartes se mettent ensemble et donc ça fait un message seul. Je me rends toujours compte en fait que lorsque je vais dans la progression et que je regarde dans l'ensemble toutes les cartes, c'est un autre message qui est là, qui a une cohérence. Et donc du coup, on va faire ça comme ça. Voilà. Alors, je vais vous montrer donc les cartes une à une et on va partir là-dessus. Alors, la première carte, c'est Rattrape-moi. Alors, celle-ci, elle est sautée du jeu, du paquet. Vraiment, elle voulait vraiment venir. Et en fait, ça me fait penser, du coup, au tirage de la semaine dernière, je crois, ou la semaine d'avant, je ne sais plus, mais je crois que c'est celle de la semaine dernière. Parce qu'elle était tombée, mais à l'envers. Et donc, je me dis, il y a quand même une continuité. Et c'est quelque chose d'assez fou, quoi. J'arrive à faire... à obtenir des messages comme ça. Les petites fées, elles sont coquines. Hein, mais elles ont la suite dans les idées. Elles continuent les messages comme ça, mais avec une certaine logique et une continuité. C'est assez amusant. Pour ce dimanche, eh bien, j'ai envie de dire bravo aux personnes qui ont... la semaine dernière, qui était comme ceci, dans l'état d'esprit, et qui aujourd'hui sont comme cela, dans l'état d'esprit. Parce que cela veut dire qu'elles ont travaillé suffisamment sur elles-mêmes pour pouvoir changer la donne, pour pouvoir avoir une vision différente, un point de vue différent sur elles-mêmes et sur leurs possibilités. Ici, Rattrape-moi, ça fait pas... Ça parle de confiance, donc, de renoncement, de foi en l'inconnu. Alors, certaines personnes ont, et encore bravo, parce que c'est pas facile du tout, vraiment, eh bien, ont acquis de la confiance en elles, ont su renoncer à ce qui devait partir, à accepter de lâcher certaines choses, de renoncer à certaines choses auxquelles elle tenait pour pouvoir avancer librement de façon plus légère sur un chemin qui est différent mais qui n'est pas qui en apparence qui déjà est inconnu mais qui en apparence n'offre pas de certitude. En même temps, j'ai envie de dire que même si on planifie un maximum les choses, même si l'on est sûr de son chemin, même si quelqu'un pourrait vous dire voilà, tu vas faire comme ça, ça va être comme ça, et puis t'inquiète pas, au bout du compte, ce sera comme ça que ça va se passer, tu obtiendras ceci, cela. Il n'y a jamais de certitude absolue dans la vie, parce que la vie, c'est du mouvement. La vie a des cycles, et justement, parce qu'elle est la vie, elle bouge sans cesse,
elle est toujours en évolution. Et en révolution, j'ai envie de dire. C'est un peu ça. Donc, quand on a compris ça, qu'on a accepté les règles du jeu, j'ai envie de dire, de la vie, telle qu'elle est, et, qui ne sont, et que ces règles ne sont pas là pour nous faire barrage ou pour nous ennuyer ou nous faire souffrir, pas du tout. Ces règles sont là pour nous aider. Lorsque l'on a compris ça, eh bien on prend confiance en soi et on sait qu'on est accompagné. Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a des oiseaux qui sont là. Là, en l'occurrence, je pense que c'est des corbeaux, donc du coup des âmes défuntes. Enfin des âmes défuntes, j'ai envie de dire que ça ne veut rien dire parce qu'une âme n'est pas défunte, elle est la vie même. Donc, mais disons que les personnes incarnées, des personnes incarnées qui ne le sont plus, et donc ce sont leurs âmes qui symbolisées là par les corbeaux qui sont là pour accompagner. C'est les ancêtres aussi, ça peut être les ancêtres. Et quand je dis ancêtres, c'est pas forcément des personnes très très éloignées de nous. Dans le temps humain, mais voilà, c'est tout, ce sont des lignées, ce sont pas forcément aussi liées, pas seulement en tout cas, j'ai envie de dire liées aux familles, à la famille à laquelle on appartient physiquement, mais aussi ça peut être lié aussi aux familles, aux familles d'âmes, aux familles aussi des vies antérieures, etc. Pour les personnes qui y croient évidemment. Voilà, ça c'est selon la vision de chacun. En tout cas, ce qui est important ici de retenir, c'est que certaines personnes, et bravo, avancent en toute confiance, elles se livrent totalement à l'inconnu parce qu'elles savent, elles ont la vision déjà vers le lendemain, vers plus loin. Elles ne savent pas ce qu'elles vont trouver réellement. Mais elles ont une confiance totale dans le fait que ça va aller et qu'elles ne sont pas seules et qu'elles sont sur leur chemin, sur le bon chemin, et que tout va aller. Du coup, elles se dirigent vers la lumière avec légèreté, confiance, et c'est parfait ainsi, j'ai envie de dire. C'est parfait ainsi. Alors, nous mettons cette fée un petit peu de côté, voilà ma belle. Et puis nous passons au deuxième message individuel. Alors, celle-ci, elle est tombée, donc retournée comme l'autre. Alors, il s'agit de la fée du Graal, qui parle de fertilité, retour à la vie, de santé, de cycle de vie. Alors, je vous la montre à l'endroit parce que c'est une carte qui est très très belle. Voilà, vous avez une fée qui est dans un océan, en fait. Voilà, qui remplit une coupe. Petit à petit avec sa main, voilà, petit à petit, elle est au clair de lune, voilà. Donc on parle de sentiments, de principes féminins, d'intuition, de tout ce qui est du côté, oui, du côté féminin, du côté yin, on va dire, d'une personne. En tout cas, c'est rempli de vie, en fait. Voilà, et là elle est tombée de cette manière. Alors, deux choses m'est venue, c'est que certaines personnes peut-être n'ont pas renoncé à certaines choses, n'ont pas vidé leur coupe, la coupe de leur émotion, qu'elles se sont laissées submerger et qu'il y a blocage. Et donc du coup, elles ne peuvent pas remplir leur coupe. Voilà. Elles ne peuvent pas remplir leur coupe et parce qu'il y a eu un trop-plein, parce qu'il n'y a pas d'évacuation, j'ai envie de dire. On se met en retrait, du coup, de la vie. Lorsque on se bloque soi-même par des émotions trop fortes on se laisse guider par ces émotions, parce qu'il nous est parfois impossible, à un certain moment de la vie, de ne pas agir ainsi. On ne peut pas toujours, même si l'on veut, on ne peut pas toujours passer le cap. Alors certaines personnes sont peut-être dans cette énergie-là d'être bloquées. Peut-être qu'elles s'auto-bloquent, hein, bien sûr, mais c'est plus fort qu'elles et
pour l'instant, elle ne voyait pas le déclencheur, elle ne voit pas le déclencheur pour aller mieux. Moi, j'ai l'impression, en tout cas par mon expérience personnelle, que lorsqu'on est dans cette phase-là de blocage intense où les émotions ont pris le pas, où ils nous submergent tellement qu'on ne peut plus remplir notre coupe, elle déborde, mais elle ne déborde pas de choses positives quelque part. C'est fait aussi pour évacuer, voilà. Mais en même temps, ça nous submerge, ça nous brouille la tête, ça nous brouille le cœur et on ne voit plus les choses justes. Et on veut aller mieux, on veut faire un pas, vider notre coupe et la remplir de choses plus légères. Mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce qu'il faut attendre que toute la coupe soit vidée, que toutes ces énergies qui sont souffrantes, eh bien, s'évacuent. Et bien sûr, alors on se sent en dehors de la vie, on n'est plus cette source de vie. Et du coup, voilà, on a un système de blocage et de... C'est comme si on était oui, en dehors de la vie, une pause ou un arrêt momentané et on ne peut pas avancer, on ne peut plus avancer. Et j'ai envie de dire, ce n'est pas grave parce que il faut passer par... Enfin, c'est pas qu'il faut, mais de toute façon, on est bien obligé quelquefois de passer par des moments comme ça. Et une fois que ces moments-là sont passés et qu'on les a acceptés, tant bien que mal, Et tout va mieux. Et là, il y a souvent le déclencheur pour pouvoir retourner dans le cycle de la vie et pouvoir être à nouveau lumineux, en accord avec ses émotions, en équilibre et remplir à nouveau sa coupe de manière plus douce et plus richement, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, je vais la remettre là. Voilà. Alors, le troisième message, il s'agit de cette magnifique carte qui est le reflet magique. Voilà, cette petite fée un petit peu mutine, voilà, qui a pris un peu de hauteur et puis qui nous toise un peu gentiment. Voilà. Un petit brin de sensualité aussi, voilà, sans en avoir l'air, c'est assez... voilà, on parle de glamour, de confiance, de charme et de charisme. Alors, elle est tombée, retournée, donc cela me fait penser que certaines personnes n'ont pas ce charisme qu'ils devraient avoir, qui ne reflète pas la beauté qu'ils ont à l'intérieur, qu'ils manquent de... certaines personnes manquent de confiance en elles et se voient dans un miroir qui est faussé. Le reflet n'est plus magique. Ce reflet-là, c'est un reflet qui n'est pas le leur réellement, mais que d'autres personnes leur font voir dans leur miroir. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais ça fait vraiment penser à ça, c'est que certaines personnes, quand on a une mésestime de soi, et qu'on ne se trouve pas joli, qu'on se trouve pas intéressant, pas ceci, pas cela, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient ces idées? On n'est pas à la naissance, on n'est pas avec des idées comme ça sur nous, on n'a pas d'idées préconçues. Non, c'est au fil du temps, les personnes, la vie, les expériences, mais aussi surtout la projection des personnes qui font sur nous, qui vont nous amener à penser ces choses. Alors, certaines personnes vont vous dire de façon directe, oui, mais tu n'es pas comme ci, ou tu es comme ça, et voilà. D'autres vont vous le faire sentir par leur attitude, et parfois ça sera voulu, parfois ça ne sera même pas conscient. Mais le fait est là, on a ce reflet souvent, en tout cas, beaucoup, de personnes, et je pense que c'est le cas de ces personnes, certaines personnes ici, là, pour cette carte-là, peut-être vont se reconnaître dans cela, c'est que elles se regardent dans le miroir, dans leur miroir
inconscient, dans leur miroir mental, en fait, et l'image qu'elles voient d'elles, ce n'est pas l'image qu'elles projettent, que leur âme projette sur ce miroir. Ce qu'elles pensent vraiment d'elles, parce que c'est l'image que d'autres personnes, que la société, ou que... je ne sais pas, oui, des expériences passées, des peines, des souffrances, peu importe, même des êtres, des gens, des tierces personnes, ont projeté sur leur miroir une image qu'elles avaient d'elles, et en leur disant, voilà, un peu comme un message subliminal, et qui vous dirait, voilà, tu es comme ça, regarde, tu es comme ça. Moi, je te vois comme ça, donc tu es comme ça. Et là, il faut se détacher. Il faut essayer de se détacher de cette image-là et retrouver ce reflet magique qui est, même si un reflet n'est qu'un reflet, et un reflet est toujours une illusion quelque part, j'ai envie de dire, s'il est projeté de manière sincère, de manière consciente, de manière authentique, on va avoir un reflet qui sera magique. On sera capable de se voir réellement tel que l'on est. Et non pas à travers l'image que les autres projettent de nous dans notre propre miroir mental. Voilà. Alors, voilà, et ensuite la quatrième, c'est l'aperçu visionnaire. Alors, l'aperçu visionnaire, on voit un petit, une fée masculine qui se cache derrière un arbre. Et là, on parle d'enfant indigo, cristal, arc-en-ciel, etc. Peut-être qu'il y a des personnes. Qui se cachait jusqu'à maintenant, qui ne voulaient pas forcément révéler leur vraie nature, révéler qui elles étaient, mais qui attendaient peut-être le bon moment pour se révéler. Et là, elles commencent à sortir du bois, j'ai envie de dire, à sortir de leur cachette. Elles regardent, elles se découvrent, elles se mettent à découvert, elles osent regarder déjà le monde autour d'elles, mais surtout elles osent se faire voir, elles osent se montrer telles qu'elles sont, parce que vous voyez, il se montre, mais on voit aussi ses ailes. Il n'a pas peur de montrer qui il est réellement. Et ça me parle aussi de personnes qui sont des éclaireurs, qui vont à la rencontre de leur destinée, j'ai envie de dire, c'est le mot qui me vient en tout cas, mais qui va en éclaireur, oui, qui avance sur leur chemin et qui est là pour éclairer le chemin des autres et qui n'a pas peur d'avancer sur leur chemin et qui se découvre. Et en même temps qu'ils éclairent le chemin des autres, ils s'éclairent eux-mêmes, ils éclairent leur propre chemin et se découvrent eux-mêmes. Ils n'ont plus peur de montrer qui ils sont. Voilà, alors globalement, parce qu'il y a des... Globalement, ça me parle aussi, je me dis que certaines personnes, donc, avec cette carte, chiffre 13, c'est le dans le tarot. Si je me souviens, ça va être l'arcane sans nom, ça va être le changement, les bouleversements. Et effectivement, vous avez travaillé sur vous suffisamment, assidûment, durement, parfois de manière souffrante, mais aussi dans la joie. Et il y a eu transformation. Et maintenant, vous allez sur le chemin de la récolte. De la récolte, parce que, de toute manière, la première des récoltes que vous avez faites, déjà, c'est une confiance en vous. C'est une foi en vous, une foi en l'avenir, une foi en la vie, surtout. Et quand on a foi dans la vie, elle nous le rend bien. Donc, ces personnes-là
avance en toute confiance, avec une foi, une résolution absolue. Et elles savent qu'elles sont accompagnées, encore une fois. Du coup, parce qu'elles ont fait ce travail-là, voilà, de travail de transformation, elles ont 13, si on les réduit, ça fait 4, elles ont trouvé une stabilité. Une stabilité, peut-être pas une stabilité extérieure au sens où l'être humain l'entend de manière habituelle, autant ou de manière, de la manière dont la société l'entend, mais elles ont trouvé une stabilité en elles-mêmes. Et j'ai envie de dire que c'est la plus importante. D'ailleurs, à ce sujet, je ferai une petite vidéo, une petite bulle de pensée là-dessus. Donc, ces personnes ont trouvé une certaine stabilité en elles-mêmes. Elles avancent en confiance avec la foi. Du coup, elles sont en plein équilibre. Elles sont source de vie. Elles sont qui elles sont. C'est-à-dire que nous sommes par nature des êtres de lumière, des êtres de comment dire, où la vie coule en nous, en fait. Parce que nous sommes réellement, à la base, des êtres divins, des êtres... nous sommes une âme, en fait, qui s'est incarnée. C'est pas le contraire, en fait. Donc, du coup, cette partie divine, là, est en pleine lumière. Elle est en équilibre, j'ai envie de dire. Elle remplit sa coupe. Voilà. Les personnes ici, dans leur incarnation, avec l'aide et en partenariat avec leur âme, elles remplissent leur coupe, petit à petit. Là, vous voyez bien, elle le fait de façon vraiment goutte à goutte. Petit à petit, elles remplissent leur coupe, mais elles le remplissent en toute confiance. Elles la remplissent avec ce qu'il y a de meilleur pour elles sur le moment, en plein accord avec leurs émotions, leurs intuitions. Elles sont en plein accord avec toute leur partie yin, avec toute leur partie féminine. Elles sont en pleine fertilité, parce que forcément, quand on a confiance en soi, qu'on avance, et on est sur le chemin de la transformation, quelque part, on est sur le chemin de l'abondance, de toute manière. Donc là, c'est cette abondance, cette fertilité qui est en route, qui se fait petit à petit. Voilà. Et donc cette carte qui est tombée de cette manière, pour ces personnes-là, eh bien, cette coupe qu'elles remplissent instant par instant, patiemment, avec leur lumière, leur source de vie, elles sont elles-mêmes source de vie. Nous sommes chacun d'entre nous source de vie, puisque notre Père est source de vie. Donc voilà, sans parler de religion ni rien, c'est un fait, enfin pour moi en tout cas, ça n'a rien à voir avec les religions. Eh bien, cette coupe, elles peuvent l'offrir aux autres. Et elles partagent cette coupe. Voilà. Elles partagent, elles avancent. Elles ont rempli leur coupe et maintenant, en avançant, elles remplissent leur coupe et elles peuvent l'offrir aux autres. Elles l'offrent aux autres. Offrant un reflet d'elle-même qui est magique et qui devient charismatique, qui devient inspirant. On voit à travers elles, non pas simplement leur beauté intérieure, extérieur, mais on voit aussi leur beauté intérieure. Enfin, on les voit dans toutes les formes de beauté qu'il y a. Et cette beauté que l'on voit à l'extérieur n'est pas vide. Ce n'est pas une coquille creuse. Derrière, il y a cette magie qui est attirante, qui vient de la confiance en soi, qui a du charme, qui est attirant. Mais qui est attirant dans le bon sens du terme, j'ai envie de dire, parce qu'elle est, là on l'offre aussi, encore une fois, ces personnes-là l'offrent à voir, offrent aux autres cette vision d'elles-mêmes qui est authentique, qui leur ressemble, qui est vraiment ce qu'elles sont à l'intérieur,
dans leur être profond, et ces personnes deviennent inspirantes. Ce charisme devient inspirant. Et donc, ces personnes, pour continuer ce chemin, ces personnes, donc, qui ont été transformées et qui n'ont plus peur de montrer qui elles sont, elles sortent du bois et elles vont au-devant des événements, au-devant des choses, au-devant même des autres, pour éclairer leur chemin. Elles leur disent, voilà, regarde, je sors du bois, regarde, je n'ai plus peur de me montrer, fais pareil, comme moi, aie confiance, il n'y a rien à craindre, tu avances en toute confiance, parce que de toute manière, tu n'es pas seul. Remplis ta coupe, verse ta coupe pour la remplir à nouveau, pour être en plein accord avec tes émotions, avec toi-même. Offre-la avec générosité aux autres. Ainsi, ils ont de toi une vision charismatique, une vision généreuse, une merveilleuse vision inspirante. Et tu ouvres le chemin. Voilà. Et ces personnes, ce sont ces personnes, j'ai envie de dire, c'est à peu près, c'est la même énergie. Cette personne-là, elle a fait tout ce chemin-là, et là, elle sort réellement du bois, et elle est là aussi pour dire aux autres, n'ayez plus peur de vous montrer tel que vous êtes, qui vous êtes. Soyez aussi des visionnaires, soyez inspirants pour les autres, soyez des précurseurs. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette guidance eh bien, vous aura plu, ces messages des fées vous aura plu, j'espère avoir été assez clair, avoir transmis au mieux les énergies que j'ai ressenties avec ces cartes, et j'espère en tout cas. Et puis eh bien, je vous souhaite un excellent dimanche, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis aussi de goûter, enfin d'essayer la recette, et puis de me mettre en commentaire si vous le désirez, ce que vous en avez pensé, voilà, si ça vous a plu, etc., etc. Voilà, et bien je vous souhaite d'être pour les autres un éclaireur, de sortir du bois et de vous montrer tel que vous êtes, de ne pas avoir peur ni honte de qui vous êtes, car de prendre suffisamment confiance en vous, mais je pense que oui, parce que là, avec cette carte-là, ça ne peut pas être autrement, et de faire preuve de suffisamment de générosité pour offrir cette coupe que vous avez, alors peut-être à votre amoureux, hein, amoureuse, peu importe, à votre entourage en tout cas, ou au monde, enfin à qui vous voulez, mais en tout cas, de la transmettre, parce qu'on ne remplit jamais, enfin, pour ma part, on ne remplit pas sa coupe que pour soi-même. Mais bon, après, voilà, chacun sa vision, mais voilà, donc en tout cas, d'être lumineux, de remplir votre coupe d'amour et de vie, de l'offrir aux autres avec générosité, pour être lumineux et inspirant. Voilà. Et mettre dans votre vie ainsi que dans la vie des autres, eh bien, un petit brin de magie. Merci à vous. Au revoir, à bientôt. Bye bye.